Chaque semaine, dans Pas très cathodique, nous recevrons une personnalité qui fait l'actu. Bonsoir Michel Pinget. Bonsoir. Je suis très heureux de vous avoir pour cette première, diabétologue. On va parler avec vous dans un instant. Michel, je vous présente Morgane Arkel. Salut Morgane. Salut Tanguy. Morgane Bonsoir. Sera chargée de faire votre portrait numérique. Qu'est-ce qu'on dit de vous sur Internet? Ce sera comme ça tous les vendredis. Nos invités seront passés à la moulinette de Morgane. Et un petit peu plus tard, nous verrons également ce qui intéresse les Alsaciens. Sur quel thème d'actualité ils réagissent? Vous avez buzzé sur les réseaux sociaux. Vous avez des trucs intéressants? Très intéressant. Très, très. À tout de suite. Je crains le pire. Michel Pinget. On vous connaît, diabétologue, médecin, reconnu. Ça fait des années que vous battez pour aider les diabétiques. Pour la recherche, vous avez un centre près de Strasbourg. Mais là, ce soir, je vous ai invité parce que ce qui m'intéresse, c'est votre casquette de patron. Vous êtes patron d'une PME qui se porte très, très bien, Asdia. Ça fait 10 ans que cette société fait du service à domicile. Mais on ne livre pas de pizza ni d'aspirateur. Vous aidez, vous soignez à domicile les personnes diabétiques. Et les chiffres sont assez impressionnants. 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1 700 patients. 44 salariés, vous me reprenez si je me trompe. C'est exact. Est-ce que vous êtes en patron content? Ah, je suis content et je suis heureux. Heureux parce que c'est un enjeu qu'on s'était lancé il y a 10 ans. L'idée était de dire qu'on allait faire une société commerciale, comme toutes les sociétés commerciales, mais qu'au lieu de verser l'argent à des actionnaires, on verserait l'argent à la recherche. Ça aide le Centre européen d'études du diabète. Ça aide le Centre européen d'études du diabète. Ça permet d'assurer l'intégralité de son fonctionnement. Ça permet aussi d'assurer que quand quelqu'un fait un don pour la recherche, ben ça va à la recherche, puisque toute la base du fonctionnement est assurée par ces structures. Et puis c'est un challenge parce que c'est un marché très concurrentiel. C'est le marché de ce qu'on appelle la prestation de soins à domicile, c'est un marché très concurrentiel, dans lequel il y a d'énormes boîtes, puisque la plus grosse boîte, c'est Air Liquide Santé. Alors, vous voyez ce qu'on est par rapport à Air Liquide Santé. Hein. C'est une très grosse multinationale. C'est une énorme multinationale, cotée en bourse, etc., qui fait, voilà. Donc, c'était un challenge. Peu de gens croyaient à nous en 2002. Moi, j'y croyais. Et aujourd'hui, oui. Et puis aujourd'hui, on est passé d'une boîte alsacienne qu'en 2005 à une boîte nationale depuis 2005. Vous avez différentes implantations en France. On couvre la France, oui. On commence à couvrir la France. C'est quand même pas banal de se dire je vais créer une société et miser d'une certaine manière sur le marché des diabétiques qui, malheureusement, et ça fait des années que vous le répétez, est en pleine expansion. C'est la maladie du siècle, hein, c'est 300 millions de personnes dans le monde. Et en Alsace, prévalence, on est quoi, champion de France, c'est ça? On est entre la marche 1 et la marche 2, ça dépend des c'est de la région où il y a quasiment le plus de diabétiques en France. Et c'est la région où il y a le plus d'obésité infantile, c'est la région où il y a le plus de facteurs prédisposants au diabète. Et là, c'est le patron qui dit « youpi, chiffre d'affaires » ou c'est le médecin qui dit « zut, non, on s'en sortira jamais ». Je dis les deux, ce sont les deux. Le chiffre d'affaires, c'est important parce que la recherche a besoin d'argent. Mais dans le montage initial de cette société, de cette structure Asdia, il y avait une volonté d'originalité et de médicalisation de la prise en charge. On n'est pas comme c'était le cas en 2002, en train simplement de fournir du matériel, d'expliquer le matériel. Non, on fait un accompagnement par des infirmières qui toutes sont spécialisées en diabétologie et qui donc ont la capacité d'écoute des patients diabétiques qui connaissent très très bien leurs problématiques. Et donc il se crée un climat de confiance entre le patient, les infirmières qui sont la base même, puisque sur 44 postes, on a plus de 25 infirmières qui sont la base du contact, et les prescripteurs qui sont les diabétologues. Morgane Arkel, le portrait numérique de l'invité, c'est parti. Michel Pinget, petite devinette, à votre avis, quand on tape votre nom sur un fameux moteur de recherche, combien a-t-on de résultats? Moi, j'en aurais dit 2. Oh bah, vous êtes bien loin du compte, figurez-vous qu'on en a 495 000. Donc c'est un très très bon résultat. Évidemment, beaucoup de sujets médicaux, beaucoup de sujets très sérieux. Le diabète, on en a discuté. Mais moi, je voulais un petit peu de fun. Et là, je suis tombée sur le compte Facebook et le compte copain d'avant d'un certain Michel Pinget. Curieuse, je clique. Et là, surprise, je tombe sur un jeune et faible de 26 ans qui pose torse nu. Perspicace, je me suis dit que c'était pas vous. Ne le prenez pas mal.
Je crois savoir qui c'est. Bon, allez-y. Ensuite, j'ai décidé d'affiner un petit peu ma recherche. Donc, j'ai tapé « Docteur Michel Pinget ». Et là, 195 000 résultats. Quand même, encore du médical, des sujets très sérieux. Et la recherche, vous le savez mieux que personne, ça coûte très cher. Vous êtes allé trouver l'argent là où il était, avec le Rotary Club. Souvenez-vous, en 2007, vous avez organisé une compétition de golf en faveur du CED. Absolument. Et alors, est-ce que le golf, ça rapporte ? Toutes les actions rapportent. Elles rapportent à deux niveaux. Elles rapportent au niveau de l'argent, bien sûr, et elles rapportent au niveau des messages qu'on porte avec. Or, que le principal message aujourd'hui, c'est quand même bouger, 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 bouger. Dans le golf, on bouge. Vous avez un bon handicap ? Vous êtes bon au golf ? Non, je ne joue pas au golf. Je fais que du vélo, moi. J'ai pas le temps d'aller au golf. Le golf, ça prend trop de temps. Et pour la dépense d'énergie qu'on va faire, il faut beaucoup trop de temps. Donc, je fais du vélo, moi. En parlant de dépenses, vous avez donc gagné pas mal d'argent au golf. Et vous savez aussi le dépenser pour la bonne cause. Souvenez-vous, en avril dernier, si je vous dis les étoilés pour la santé, un concours culinaire. C'était quoi le dessert ? Elle sait tout. Alors, je ne sais plus ce qu'était le dessert. Je crois que le plat principal, c'était du rable de lièvre. Tout à fait, c'était ça. C'était du rable de lièvre et c'est une action que nous menons avec le lycée hôtelier de Kirch, ouais, pour sensibiliser les futurs chefs à essayer de prendre en compte la notion santé dans la notion... Voilà, toujours dans le message. Il faut toute action est toujours... un message d'accompagnement, et là, c'est de leur apporter un petit peu la notion santé, le sel, des choses sur lesquelles on peut les faire travailler. Et enfin, on va terminer avec cette observation. Le web vous connaît, la e-réputation, c'est pas vraiment votre truc, et j'ai pu constater avec mes recherches que beaucoup utilisent votre nom, peut-être pour booster leur notoriété. Alors je me suis demandé, pourquoi est-ce que vous n'avez pas votre propre site pour mettre en avant toutes ces actions que vous faites en faveur de la médecine, et surtout en faveur michelpinget.com. Eh bien, ce sera fait à partir de la semaine prochaine. Bravo. Puisque vous m'avez motivé et complètement convaincu. Première victoire de Morgane. Je le ferai, vous avez gagné, Morgane. Yes. Morgane, on va enchaîner. Votre autre boulot, c'est de scruter les réseaux sociaux et de nous dire dans Pas très cathodique quelles sont les actualités qui ont fait réagir les Alsaciens. Vous avez deux, trois perles. Quelle est la première ? Qu'est-ce qui fait buzzer le net ? Cette semaine, c'est indéniablement l'ouverture de l'Apple Store à Strasbourg, Place Kléber. Hein. Ouais, c'est ça. Normalement, à 10h, si mes souvenirs sont bons. Et ça n'arrête pas de tweeter, de buzzer, et surtout depuis une dizaine de jours. Et depuis surtout qu'on a posté les photos de la boutique, la façade et l'intérieur. Il y a une bataille entre ceux qui ont le dehors, ceux qui ont les photos du dedans, etc. Entre ceux qui n'ont vu que la façade extérieure et puis d'autres qui ont pu voir ceux de l'intérieur. Oh, l'Apple Store à Strasbourg, ça vous excite ça ? Pas trop, non. D'accord. Mais il faut faire avec. Si ça n'excite pas, on passe à l'autre actualité. C'est celle du logo du Racing Club de Strasbourg. Alors, c'était comment ? RCSA. Donc, logo du Racing Club de Strasbourg-Alsace. Eh ben, on n'en dit pas que du bien. Ça a excité la communauté et pas qu'en positif. J'ai sélectionné deux tweets. Le premier, c'est celui de Mathéo qui nous dit « C'est quoi l'intérêt ? Est-ce vraiment une priorité en vue du renouveau ?» Avoir vraiment du sport de haut niveau à Strasbourg, c'est tirer aussi le sport de base à Strasbourg, je trouve ça extrêmement important. Et puis, non, on a capitale d'Europe, on peut quand même avoir une équipe en première division, en L1. Morgane, une dernière information. Tout à fait. Un petit peu plus sérieux cette fois-ci, c'est celle de Fessenheim, l'incident qui a eu lieu... Semaine dernière. Exactement, le 5 septembre. Sans gravité, selon l'autorité de sûreté nucléaire. On le rappelle. Mais ça a quand même suscité un humour assez douteux auprès de notre communauté. Vous avez les blagues du vendredi soir ? C'est les blagues, je rappelle, c'est vraiment douteux. Donc je cite notre premier ami qui s'appelle Léon qui dit « Incident à Fessenheim, un des blessés a les trois jambes brûlées, l'autre n'a que des plaies superficielles aux ailes ». D'accord. Deuxième citation, celle de Pierre qui dit « Pas de quoi paniquer, à Fessenheim, les incidents, se comptent sur les six doigts de la main. » Au montage, on fera « Humour, quand tu nous tiens. Oui. » Voilà. C'est drôle, c'est pas drôle, ça... Non, c'est pas vraiment drôle parce que le nucléaire est un problème quand même sérieux. Ouais. Je pense, alors là, en tant que... Je suis un vrai écologiste et je défends très fortement tout ce qui est alimentation, circuit court, etc. Et donc, je suis très attentif à l'environnement. Et notre maladie, dont on défend le diabète, est très liée à l'environnement. C'est la maladie de l'environnement, mais aussi de la toxicité de l'environnement. Ceci étant, il faut quand même, quelque part, savoir qu'il faut aussi avoir de l'énergie. Le nucléaire en France, c'est une énergie... On ferme Fessenheim ?
Moi, je ne le fermerai pas. Vous ne fermez pas Fessenheim. Moi, je ne fermerai pas Fessenheim, mais je ne suis pas un homme politique, donc je n'ai rien à dire dans l'histoire. Mais vous avez le droit. J'ai parfaitement confiance, par contre, dans nos agents de sécurité française. Merci beaucoup, Morgan Harkel. On aura le plaisir de vous revoir dans cette émission tous les vendredis. Vous pouvez évidemment réagir, hein, c'est facile, envoyer des petits messages. Via Twitter, via Facebook, hashtag PTC pour pas très cathodique. On vous attend toute la semaine. Je récupère les informations. Rendez-vous vendredi prochain pour faire le point. Merci beaucoup, Michel. Revenez quand vous voulez.